C'est la troisième fois que je vois ce film et à chaque fois je découvre des choses différentes. Enfin, je revois des choses que j'ai vues déjà, mais à chaque fois il y a d'autres choses qui apparaissent. Et à chaque fois, ce bouquet final à la fin, c'est toujours autant d'effets, c'est-à-dire toutes ces fenêtres qu'on a déjà vu dans le film et puis qui apparaissent une à une. C'est exactement comme dans un feu d'artifice, donc le bouquet final avec ces mots de différentes langues qui viennent se mêler et composer un poème qui est vraiment magnifique. Moi, je suis quelqu'un de l'écrit et donc pour commencer, en fait, j'ai écrit un petit texte qui prend les choses par le petit bout de la lorgnette, mais voilà, après on aura tout loisir d'élargir la vision et d'approfondir les choses. Donc je vais vous le lire, il n'est pas très long. Et je pense que ça ira. Il est un passage marquant de la galaxie Gutenberg de Marshall McLuhan qui explique que la vision en trois dimensions n'est pas naturelle et qu'il faut un certain entraînement pour savoir regarder un film. Un inspecteur du service sanitaire avait tourné un film à l'extrême ralenti pour démontrer ce que chaque maisonnée d'un village africain devait faire pour éliminer les eaux stagnantes. Assécher les flaques, ramasser les boîtes de conserve vides pour s'en débarrasser, et ainsi de suite. Nous avons montré ce film à un groupe de gens à qui nous avons ensuite demandé ce qu'ils avaient vu. Ils nous répondirent qu'ils avaient vu un poulet. Et en effet, en regardant bien, image après image, les expérimentateurs finirent par découvrir, traversant l'écran dans un coin, un volatile effrayé qui s'échappait. À vous qui avez l'habitude de la vision globale et du cinéma, je vais parler ce soir du poulet. Au-delà des fenêtres et des toits, des arbres et du vent, des villes et de l'échappée sur la mer, au-delà des récits sur la langue et des itinéraires, il y a dans ce film, si dense, si beau, des images qui pourraient passer inaperçues, des arrière-plans, et qui traduisent pourtant à leur façon quelque chose de la traduction. Une échelle posée contre des étagères de livres. Est-ce l'échelle de Jacob ? Platon dans la bibliothèque, et des cartes postales indéchiffrables, et puis un dictionnaire sur la table, synonyme, nuance. C'est à Brest, au commencement, donc, fut la nuance. Après, des livres, rien que des livres, et sur la table qui sert de bureau au traducteur espagnol de Boston, un livre fermé, la Biblia hebraica, origine de son attachement à la langue, et de livres ouverts, inconnaissables. À Malakoff, le clavier d'un ordinateur et sa souris, dans un coin de la bibliothèque où aucun nom de livre ne peut se distinguer, un haut-parleur, pour écouter quelle musique dans ses voyages perpétuels entre l'hébreu et les yiddish. À Milan, beaucoup de photos sur les étagères, parmi les livres. Et sur le bureau, un volume bleu au caractère hébraïque assure la présence de la langue dont on parle, celle qui résiste et ne veut pas être traduite. Étagère blanche de style Ikea contenant de rares livres, en russe, à Tel Aviv, après les arbres, elle parle près d'un petit livre vert mystérieux dont la présence silencieuse semble témoigner des difficultés d'une métamorphose, réduction, expansion, comme si le russe, la langue maternelle, semblait vouloir aspirer l'hébreu, la langue choisie. À Barcelone, ce sont deux étagères de bibliothèque.
des livres et une reproduction de paysages, l'ouverture d'horizons dont il est question, tandis qu'attendent sur une chaise des dossiers empilés ou des albums de photos, et sur le bureau un clavier d'ordinateur et un téléphone portable sagement muet. Pas de bibliothèque en vue, à Berkeley, mais un ordinateur portable, encore, une mug ornée de caractères hébraïques, quelques livres épars sur la table de travail, des petites fleurs en bouquet, et dehors, tiens, les filles de Milan ou de Tel Aviv ont mûri. À Jérusalem, ce n'est pas un poulet, mais un oiseau passe, quand même. Et la bibliothèque paraît, étagère partielle, des livres, en hébreu, une table de travail, sur laquelle est un livre ouvert, recouvrant un cahier, peut-être, à côté, un crayon noir posé, un verre d'eau. Sobriété du travail, tandis qu'elle raconte en allemand, je ne voulais pas être traductrice, et déroule la série de hasards qui lui ont mené et qui finissent par former un destin. À Paris, l'ombre de la tour Montparnasse, d'autres étagères où des photos se détachent, rescapées des errances spatiales et linguistiques. Un petit Robert I, un petit Robert II, un dictionnaire d'allemand, le bon usage, les signes de la sédentarité du français, où cherche à s'ancrer la traductrice. Mais rien de sédentaire à Acre, où se passe le double combat entre la langue des rues et la langue des livres, mais deux sortes de livres, ceux en arabe, ceux en hébreu. En quelle langue sont-ils, ceux de la bibliothèque, tantôt serrés, tantôt penchés, ceux empilés sur la table de travail? On ne sait pas, car on voit surtout deux enveloppes molletonnées en haut de la pile. Ces enveloppes doivent-elles partir ou viennent-elles d'arriver ?